Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur Opéra Omnia avec donc les propos sur les challenge quests qui arrivent, vu que ça a été ajouté. Là, on peut y obtenir donc des pièces de burst power en complétant les challenges en perfect avec des caractères. Avec des personnages boostés plutôt. Pas enfin, des caractères, ouais. Ça me semble un peu au même, mais bon. Voilà, après on peut échanger du coup 50 jetons contre une arme unique BT de son choix. Bon, parmi celles qui sont disponibles forcément au moment où ça y va. Ça va de soi. Vous pouvez aller sur le quête du challenge pendant un temps limité en complétant les quêtes de niveau de difficulté 180. D'accord, donc déjà il faut que j'arrive à finir la chaos. Ok, bon ben j'en prends note. Donc on est parti du coup sur l'event de raid. Ouais déjà ben on va gentiment faire du coup la première puis la seconde et ainsi de suite. Donc on y go. Donc voilà, comme vous pouvez voir un petit peu la team, donc voilà, elle est full. Bon, elle est pas full complet parce que j'ai pas fait toutes les chimères pour tous, mais on va dire on est plutôt pas mal dans l'idée. Bon, je pense que dans l'idée, forcément, la simple de base, voilà, hein, clairement. La suivante, ça devrait suivre à peu près la même chose. Et puis après, ben, on verra pour difficulté supérieure. Ah, elle est du coup le niveau 70. Donc bon, request, on s'en fout. Et qu'on n'a pas besoin d'aide. Et après, je pense que pour les difficultés suivantes, suivant lesquelles se débloquent... Eh bien forcément, ça sera pas la même histoire. Ah bah parfait. Le poil qui attaque en premier cette fois-ci. Allez, vas-y, Borin. Oui. Encore ça, hein. De toute façon, voilà, je sais que le petit squall il va pouvoir tuer les deux petites. Ah mince! Ah l'arnaque! Ah, j'avais pas vu venir cette arnaque! D'accord, donc ça sert à rien de s'occuper des petits à côté, ils sont à côté. Bon, c'est bien quand même de s'en occuper un petit peu, mais... Effectivement, c'est intéressant tout ça.
Ah, ça y est, c'est bon, il rappelle pas des copains. Je croyais que ça allait encore arriver, ça, à foison, mais non. Faut pas exagérer non plus. Et voilà, bim! Paf, paf, ça a tout cassé. On a tout cassé! Parfait! Ok, on est bon encore. Oui, effectivement, bon, c'est pas, ça fait pas beaucoup de score, mais bon. Au moins, ça permet d'avancer, quoi. Voilà, donc la classique déjà. Donc du coup, déjà de le faire de cette façon-là, ben, ça va permettre de voir un petit peu comment ça va se passer pour la version avec un mode de coop, quoi. Bah déjà, comme on peut voir, beaucoup de vie. Bon, ils ont à peu près pas beaucoup de vie comme la fois d'avant. Donc c'est déjà pas mal. Bon, on va éviter de faire un peu trop de... Ça va faire perdre un peu trop de vie. Voilà, de toute façon, j'ai ce qu'il faut pour en recalmer tout ce joli petit monde, donc il y a les franco. Oui, bah, de toute façon, on va taper. Hein. Oh, bah, du miss, bah, mince alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, toi, non, pas pour l'instant. Ah, j'ai fait du reactive launcher. Il a 3 activations de launcher. Ok. On va. Voilà, de toute façon, voilà, là, il y a plus grand monde, et puis après, on finit ça. Autrement. Ouais, je pense qu'après la deuxième mort, je pense qu'il sera activé plus. À mon avis, clairement, ça va être ça. Mais ouais.
4. Voilà, pas mal de points d'enchantement aussi. Ça, c'est cool. Ah oui, j'espère que vous en pensez à activer de manière gratuite votre premier pass de pour votre premier pass MOG. Ce serait dommage de ne pas profiter, hein, qu'il y ait une première session gratuite. Allez, la petite ex classique. Voilà, là, la seule différence, c'est que bah, il n'y a plus de. Et qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de d'unité alliée qui peut venir un peu switch. Besoin. Mais bon, c'est pas dramatique. Ouais. On va faire ça. Pas grand chose, mais bon, au moins ça a été tenté. Oh punaise, en plus ils font leur attaque dégâts HP quoi. Ils abusent. D'ailleurs, ils m'ont mis quoi comme debuff ? Lowers, attaque. D'accord, ça baisse, d'accord, ces trucs-là. Et bon, le niveau augmente après un tour infligé. Bon. C'est que bon, j'ai pas grand chose à. Ça m'apporte pas grand chose. Allez, on va balancer la chimère, hein, pour en est. Voilà, comme ça au moins, on va régler ça plus vite. Hein. Bon, et normalement, on devra en finir. Ouf, et ben voilà.
25 000, ça a plein plus de gueule déjà. Bon, voilà une bonne chose de faite. Mais c'est qu'il y a Cosmo encore et tout. Bon, on va faire une petite. Toute petite pause. Voilà, où on va aller faire des petits tirages gratuits. Alors, ça, c'est bien un truc qui sert à rien quand c'est à ce moment-là. Mais bon. Ah, il n'y a pas eu la. Il n'y a plus les transformations de. Ah, c'est moche, ça. Ah, ça y est. Ouh. Mais c'est pas les. Mais c'est la ex, ça. On est d'accord, ouais, j'ai chopé deux fois la exosquad que j'ai déjà, quoi. C'est... Oh punaise, mais sans déconner, quoi. Deux fois la ex, quoi. Non, mais est-ce qu'il faut pas voir, quand même, sans déconner. Oh. Ouf. Wow, celui-là il est bien pour grave. Hein. La catastrophe. Oh la vache, quoi. Le premier c'était. Ouais, il y a deux ex et tout, mais sauf que c'est deux fois celle de Squall donc, que j'ai déjà, donc on s'en fout. Oh là là là. De toute façon, dans l'idée, c'est sur celle-là que je vais faire le maximum de tirages donc. On va en faire un petit second. Si. Histoire 2. Ouf, lui aussi il va être bien vénère. Hein. Bon, une multi 35 de Tifa, c'est pas mal. C'est-à-dire que d'un côté, juste la gratuite, j'ai chopé 3 armes 5 étoiles. Et là, il faut que j'en fasse 3 pour avoir pareil. Ah, que c'est moche, quoi. Ouf, alors celui-là, je crois qu'on va pas faire pire que ça. Ah ben voilà, ben une arme de chaque personnage qui est sur la bannière. Bon, ben c'est bien. Oh là là, la catastrophe. Ouais, je vous fais grâce de tous les tirages annexes que je ferai pour ça. Allez, ouf. Ouais, et on va finir sur un vrai coop, voilà, avec Shiva sur la Cosmo. Du coup, je suis ready. Bon, voilà, je suis pas optimal, moi, mais bon.
Ça a l'air d'avoir pas mal de vie, mais pour l'instant, ça a l'air de se passer pas trop mal quand même. Bon, au moins ils ont tous l'aggro sur Zach maintenant. Au moins on s'évite des problèmes. Clairement. Là, par contre, s'ils commencent à s'amuser à booster leurs dégâts, on va peut-être un peu les détruire quand même, les petits trucs. Alors B, c'est, alors on va la jouer comme ça. Sans que je puisse avoir encore une attaque derrière. Je sais pas si ça veut faire appel à la chimère ou pas encore, mais ouais, ça fait appel à la chimère. Ok, donc on rentre en mode bourrin. Très bien, moi ça me va. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas tapé le bon, mais dans l'idée, c'est là, faut quand même, de toute façon. Déjà moins hop ça on recover un peu et puis on renvoie une petite sauce, normalement ça devrait suffire.
A priori, on devrait s'en sortir. Ah bah oui, bah voilà, c'est fini. Bon alors oui, moi, je vous esquipe le mode chaos. Hein. Mais du coup, ça, je le découvrirai de mon côté gentiment, tranquillement. Voilà. Ouais, en plus, ouais, ça on a tout validé, parfait pour elle, quoi. Et ben voilà, c'est beau tout ça. Bon ben voilà, au moins dans l'idée, c'est elle a pu débloquer elle son ses quêtes de sa quête de challenge. Donc ça c'est cool. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, j'ai montré le début. J'ai fait le petit Cosmo avec Shiva. Donc, bon, bien sûr, je vais poursuivre de mon côté. Du coup, le Cosmo, voilà, gentiment. Non, c'est d'abord le Cosmo et après le Chaos. Pardon, n'importe quoi. Je suis parti à la bourre. J'ai vu à l'envers, n'importe quoi. Bref, donc, c'est là-dessus que je vous laisse. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Opera Omnia. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.